Quelle douloureuse soirée. Au Roison Park, franchement, on savait que le match serait difficile pour la formation d'Olivier Dalloglio. Mais à ce point, franchement, on n'aurait pas voulu l'entendre. Ça a été un véritable calvaire, de la première à la dernière minute de cette partie, particulièrement en première mi-temps, où il n'aura fallu que 8 minutes au Rennais pour ouvrir le score. Juste avant la demi-heure, ils ont doublé la mise. Ils ont enchaîné les déferlantes sur une équipe montpelliéraine affaiblie de surcroît après la sortie sur deux cartons jaunes de TJ Savagnier, son capitaine, avant la fin de la première période. Bref, un véritable calvaire. Nous avons vécu un vrai chemin de croix ce soir à Rennes, battu par plus fort que nous. C'est déjà bien de le reconnaître. On ne va pas s'attarder ni faire tout un roman sur une partie qu'à aucun moment nous a laissé espérer au moins un score de parité. Non, franchement, il faut savoir reconnaître la supériorité des adversaires. Les Rennais l'ont été d'un bout à l'autre de cette partie, et en seconde période, ils auraient même pu aggraver, alourdir plus encore le score et l'addition. Voilà. On n'est pas encore invité au top 5. Les Rennais, eux, en tout cas, en sont beaucoup plus légitimés. Ce soir, à l'issue de cette partie, il y aura d'autres rencontres plus abordables pour Montpellier. Mais ce soir, la copie n'était pas bonne du tout.